Salut les wheelers, alors dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que j'ai emporté dans mon sac pour ce road trip de 13 jours, 1165 km. Parce que j'ai souvent l'impression que les road trippers en giro-roue prennent trop d'affaires. Je comprends pas comment vous arrivez à des sacs qui avoisinent les 20 kg. Donc le mien, on va le peser en direct. Donc la tare, elle est faite. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a 12. Il y a un peu plus de 12. Donc 12,3 kg avec le plein d'eau potable. Alors déjà, avant d'attaquer le sac, vous m'avez vu en vidéo avec toujours une bandoulière. C'est en fait la gimbale qui est ici en train de me filmer. Et sur cette bandoulière, il y a aussi un mousqueton boussole. La boussole, très importante, j'ai déjà présenté en vidéo, qui me permet de trouver l'est pour savoir où va se lever le soleil, de façon à positionner ma tente. Concernant le sac, alors pour moi, ce qu'il y a de plus important sur le sac, c'est de fixer les gros objets, les encombrants à l'extérieur du sac. Donc vous voyez, tente à l'extérieur, duvet extérieur, oreiller à l'extérieur, ainsi que veste à l'extérieur. Ça permet de libérer la place à l'intérieur. Concernant le sac, c'est un sac à dos de récupération qu'on a depuis longtemps dans la famille. Je ne saurais même pas vous dire où on l'a acheté, probablement Decathlon, mais il y a très longtemps. C'est un 45 litres, alors je sais que de nos jours on trouve beaucoup mieux, beaucoup plus confortable, avec plus de poches, mais voilà, ça coûte cher, j'avais pas envie de racheter un sac alors que celui-ci me convient. Première chose, la tente, donc fixée en dessous à l'aide de ces sangles. Tout simplement comme ça. Alors ça, ce sont des sangles qu'on achète chez Decathlon, je vous les conseille vraiment, ça coûte pas grand-chose. Et elles sont vraiment efficaces, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez serré, ça ne se défait plus. Hein. Bon, à aucun moment de la journée, j'ai besoin de les resserrer. Et vous voyez, c'est très grand. Donc en fait, on peut tout à fait fixer d'autres choses supplémentaires que la tente, par exemple des vêtements, ou quelque chose qui aurait aussi la forme d'un rouleau, enroulé autour de la tente ou en plus. Concernant la tente, elle fait 1,5 kg, donc vraiment léger, mais c'est une monotoile. Pour qu'elle soit le plus léger possible, je prends juste le nombre de sardines nécessaires, c'est-à-dire vous déployez la tente, vous prenez exactement la quantité nécessaire, pas une seule de plus. Et dedans, dans cette housse, il y a le tapis de sol qui est en fait enroulé autour de la tente. Comme ça, le tapis de sol, il gagne sa place autour de la tente, en dessous du sac. Ici, accroché dans cet ensemble, tac. Donc le coussin pour enfin plutôt l'oreiller pour dormir, c'est super pratique. On achète ça, c'est Decathlon. Il y a une partie molle et une partie gonflée. Ce qui est très pratique, c'est qu'il est super épais quand on dort. Donc en fait, quand on est emmitouflé dans son duvet, on ne voit pas où est-ce qu'on pose la tête. Et en fait, on le trouve toujours sous soi. Donc vraiment très pratique. J'apprécie vraiment cet oreiller, je le recommande vraiment. Le duvet que tout le monde connaît, duvet Decathlon, celui-là, il est génial parce il y a une capuche. Donc on peut vraiment rentrer les épaules dedans, serrer à fond et qu'il y ait juste le nez qui apparaisse pour respirer et que tout le reste du corps soit vraiment dans le sac. Ça c'est vraiment important parce qu'il y a des sacs de couchage qui n'ont pas la possibilité de rentrer les épaules. Ça c'est la housse de pluie pour recouvrir le sac à dos, le rendre étanche. Et là enfin, c'est un vulcaire sac plastique accroché là aussi. Dans lequel, donc là il est vide parce que je rentre, mais c'est le sac dans lequel je mettais ma nourriture. En fait, c'était en accès rapide, c'est-à-dire que je sortais des courses du supermarché, je n'avais pas besoin d'ouvrir mon sac, je mettais directement les courses là-dedans. Et pareil pour manger, quand je voulais pas que les choses soient écrasées, je les tout simplement à l'extérieur du sac là-dedans. Donc là, c'est le sac à tout faire, j'ai toujours laissé pendu où je mettais les choses en accès rapide. Et enfin, la veste. Alors la veste, c'est pas ce que je recommande de mieux parce que c'est en fait c'est un vulgaire sweat. Je pense vraiment que j'aurais pu trouver mieux, mais voilà, c'est ce que j'avais plus léger. Et donc faut que ce soit une veste dans laquelle vous puissiez dormir, mais aussi passer la journée. Dans la poche de ceinture en accès rapide, ici, j'ai le spray au poivre anti-chien, sous les conseils de La Vega, merci à lui.
Ça m'a servi une fois, c'est assez efficace. Hein, quand vous faites agresser par un chien, donc commencez par crier, par gesticuler, montrer votre présence. Et si vraiment il devient vraiment agressif et qu'il vous poursuit, voilà, je sors ça qui est à proximité, donc je n'ai pas besoin d'enlever mon sac à dos. Je sors ça, j'enlève le cran de sécurité et je donne un coup vers le chien. Ça crée un nuage poivré entre moi et le chien. Donc moi je roule, je m'en vais, comme ça je ne suis pas en contact du nuage et donc le chien quand il traverse le nuage. Là, de mon expérience, le chien éternue et se barre vraiment. Et ça sert aussi, c'est une bombe lacrymo après tout, donc quand vous campez dans un endroit où vous n'êtes pas rassuré, ben, gardez-la près de vous. Si vous avez un agresseur ou n'importe quel animal sauvage, vous pouvez vous en servir pour vous défendre. Dans cette poche, j'ai aussi mon testeur de prise. Voilà. Quand je cherche une prise, comme ça, je n'ai pas besoin d'enlever mon sac à dos. Directement, je trouve la prise, je dégaine ça et je teste ma prise. Alors ça, c'est, j'ai testé plusieurs solutions comme testeur de prise dans ma vidéo du la Via Renard où je vous ai présenté une veilleuse pour enfants, mais en fait la veilleuse, elle éclairait pas assez en plein jour, en plein soleil. Donc j'ai trouvé cette astuce, une simple prise USB comme on a tous de téléphone. Et ça s'achète sur AliExpress. C'est une simple diode USB. Et ça éclaire super fort. Donc même en plein soleil, quand le soleil brille et qui fait vraiment lumineux, on voit si la prise fonctionne. Et en plus, l'avantage, c'est que si jamais votre prise USB lâche, ben vous en avez une autre ici. On passe au contenu des poches. Ici, l'eau. Donc l'eau, je vous en ai déjà parlé. Moi, 1 litre, ça me suffit. Je prends pas de gourde parce que les gourdes, je les trouve lourdes. Je prends une simple bouteille de plastique et voilà, tous les 4 ou 5 jours, je la change en supermarché, j'en achète une autre. Là-dedans, on a aussi l'anti-moustique, indispensable, à pulvériser que ce soit sur le corps ou sur la tente. Ça va avec l'anti-moustique, l'anti-démangeaison, bien sûr. Et j'ai aussi dans cette poche la crème solaire. Alors, la crème solaire, je m'embête pas à prendre un tube entier. Je transvase juste ce dont j'ai besoin dans ce petit flacon d'échantillon. Ça permet d'alléger. Dans l'autre poche, mon lecteur MP3, mes écouteurs, le rasoir, des gants, lampe frontale et mes couverts. Alors ça c'est génial, on trouve ça chez Decathlon. C'est une petite pochette dans laquelle on trouve une fourchette métallique pliable, une cuillère métallique pliable. La fameuse cuillère dont le dos me servait de tournevis pour ouvrir tous les boîtiers électriques. Et un emplacement pour couteau. Et ça, je trouve ça fantastique parce que Decathlon a vraiment compris que des couteaux, on en récupère partout, des couteaux canif, des couteaux Pinel. Donc ils ont bien compris que ce n'était pas la peine de nous vendre un couteau supplémentaire. Donc, en fait, ils nous vendent la housse avec les 2 couverts et l'emplacement couteau. Donc voilà, moi j'ai pris un Opinel. Et donc les couverts, moi je vous recommande vraiment d'en emporter avec vous, même si vous partez à la base juste avec des sandwichs, ça vous permet d'acheter des salades à emporter. Et dans la poche de dos, powerbank. Alors, les sachets hermétiques, vous allez vous en apercevoir que moi je m'en sers pour tout, vraiment. Déjà parce que ça permet d'étanchéifier. Voilà, la powerbank, si jamais il pleut, si jamais ça prend l'eau. Le sachet hermétique, c'est purement étanche, ça peut aller dans l'eau, aucun souci. Après, le sachet hermétique, ça permet de classer ses affaires, de ranger, et ça permet aussi de rassembler des petits objets qui pourraient se barrer dans le sac. Vous allez vous apercevoir que je me sers des sachets hermétiques pour plein de choses. La thune, donc voilà, là encore une fois, le sachet hermétique prend tout son sens pour rassembler les petites pièces et pour étanchéifier tous mes papiers. Ici, c'est un GPS externe, logger, le GPS de mon téléphone, je ne le trouve pas assez précis. Donc ça, c'est un appareil dédié qui est ultra précis et qui enregistre lui-même le signal GPS, la trace GPS que je fais. Il a une grosse mémoire et il envoie en Bluetooth le signal GPS à n'importe quel appareil qui veut bien s'y connecter, en l'occurrence mon téléphone. Et de plus, à ce que j'ai lu, un signal Bluetooth consomme moins qu'un signal GPS, donc j'économise de la batterie en faisant ça. Dedans, alors la technique c'est de mettre en haut du sac ce dont on a le plus besoin et ce dont je me sers le plus bien sûr c'est les chargeurs. La plupart du temps quand j'ouvre mon sac c'est pour effectuer une charge. Alors là j'ai pris un sac en toile, c'est pour protéger le chargeur des chocs.
À l'intérieur, on trouve mon hub USB avec tous les câbles déjà branchés dessus. Comme ça, je ne perds pas de temps. Dès que je trouve un endroit, je branche et j'ai tous mes fils à disposition. Alors ça, c'est un hub USB que je vous recommande parce que vous voyez, il est compact. C'est un cube. Et en fait, pour sortir la prise, je fais ça. Tac. Et là, la prise, elle est sortie et je branche. Il y a 4 ports USB plus un USB-C rapide. Et en fait, vous voyez, après, pour replier, je fais comme ça. Et ça devient à nouveau compact. Et en fait, c'est aussi compact parce que c'est un chargeur universel. Vous voyez, là, j'ai la prise anglaise. J'ai la prise américaine, australienne. Ce qui est génial aussi avec ça, c'est qu'à l'arrière, vu que c'est un adaptateur de voyage, ben, ça rend la prise qu'il occupe. Donc en soi, je peux brancher ça avec mes USB et, derrière, brancher mon chargeur. Ça, c'est mon chargeur rapide. À nouveau dans un sac étanche. Le sac étanche prend toute son utilité parce que ça, il ne faut vraiment pas que ça prenne l'eau. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs tailles de sac étanche. Hein. Le chargeur rapide que je vous ai déjà présenté sur ma vidéo de la Via Wanna. Ça, c'est mon second chargeur, parce que la caisse XXL a deux ports de charge. Donc, je peux utiliser à la fois mon chargeur rapide que j'ai acheté séparément, et à la fois le chargeur d'origine. Ah oui, la multiprise. Bon, indispensable, mais celle-ci, je ne vous recommande pas. Elle a le mérite d'être vraiment légère. Elle pèse 100 grammes. Mais le problème, c'est que les prises que vous trouvez à l'extérieur sont des prises avec un clapet pour l'étanchéité de la prise. Donc, la prise, elle s'ouvre comme ça. Et souvent, j'allais buter dessus. Donc en fait, cette partie-là, il faut qu'elle soit plus haute. Il faut vraiment qu'elle soit dans la partie supérieure. Moi, vu que c'est central, souvent, je n'arrivais pas à enfoncer ma prise à cause du clapet. Donc ce que je faisais, des fois, je cassais le clapet, je forçais. Puis des fois, je devais me résigner à juste brancher mon chargeur parce que je n'arrivais pas à mettre la multiprise. La prise camping, absolument indispensable. Parce que les prises camping, il n'y en a pas que dans les campings. Souvent, vous ouvrez un boîtier, vous aurez des prises comme ça, notamment les prises de marché. Parce qu'en fait, ce sont les camions qui se branchent là-dessus. Pas seulement les camping-cars, mais aussi le stand d'un fromager, d'un charcutier, mais aussi le stand d'un camion pizza. Je sais qu'il y a des formats beaucoup plus compacts que celui-ci qui existent, qui font à peu près ça. Mais il faut savoir que les formats compacts ne sont pas autorisés dans les campings. Parce qu'il y a une histoire de normes, d'étanchéité, tout ça. Dans les campings, souvent, ils autorisent uniquement celui qui a un câble. Lunettes de soleil. Très important de prendre un étui rigide parce que les lunettes, c'est fragile. Et dans le sac, c'est malmené. La serviette microfibre que tout le monde connaît, achetée chez Decathlon. Alors, ce qui est génial, en plus d'être compacte, c'est qu'elle a un élastique intégré pour y ranger. Ça, c'est super. Bon, on va passer aux vêtements. Alors déjà, les vêtements que j'ai sur moi, vous m'avez vu toute la vidéo avec ce pantalon. Bon, je vous rassure, je l'ai lavé plusieurs fois durant mon trip. En fait, ce pantalon, je l'aime beaucoup pour les road trips parce que, vous voyez, il se dézippe, il se convertit en short. Donc en fait, le matin, on part en pantalon et puis quand ça se réchauffe dans la journée, à tout moment, vous pouvez vous mettre en short, ça c'est génial. Ensuite, t-shirt, j'en prends 3. Alors déjà, j'aime bien avoir un t-shirt sec qui va me servir uniquement pour la nuit. Et j'en ai 2 autres que j'alterne pour le jour. Et puis après, le t-shirt qui me sert pour la nuit, je peux aussi le mettre pour le jour, le jour où je vais faire ma lessive. Et j'ai aussi un autre pantalon. Celui-là, c'est celui dans lequel je dors. À nouveau, j'aime bien dormir dans des affaires sèches. Donc le soir, j'enlève ça et je dors dans celui-là. Mais c'est pas un pyjama, c'est un vrai pantalon qui peut être mis à l'extérieur, notamment quand je ferai ma lessive. Les sous-vêtements, bon, je ne vais pas vous les montrer, il y a 3 jeux de sous-vêtements. Ça m'a suffi, un tous les 2 jours, oui c'est sale, mais en Eurotrip on fait avec. Donc voilà, ça me permet de tenir 6 jours, sachant que le 6e jour je dois trouver une laverie. Le 3e t-shirt. On voyait en tout enroulé avec la technique du sushi. Je vous laisse chercher sur internet. Monsieur Flex, il a fait un tuto là-dessus. La technique du sushi qui permet d'avoir son vêtement vraiment compact. Une fois de plus, je vous précise, c'est pas trop le poids qui compte, c'est l'encombrement. Donc là, le t-shirt vraiment compact. Et enfin, un maillot de bain.
qui va me servir à piquer une tête dans une rivière, un plan d'eau, ou même à prendre une douche en public. Le maillot de bain peut aussi être mis pendant que vous êtes à la laverie. Comme ça, vous lavez tous vos sous-vêtements. Le caouet coupe-vent imperméable. Je pense que le plus important, c'est la fonction coupe-vent. Ça, il m'a servi à tout ce caouet. À la fois quand j'avais froid, à la fois pour la pluie, à la fois pour le vent. Et je pense que ça fait être ringard d'avoir un caouet qui se replie comme ça en mode banane. Mais c'est vraiment génial. Parce que ce qui est important, c'est pas tant le poids des objets, c'est la place qu'ils prennent. Et là, il se compacte dans sa propre poche et c'est génial pour le ranger. Ça, c'est un foulard qui me sert bien sûr pour me protéger le cou du froid. Et ça a plusieurs utilités. Vous pouvez aussi vous protéger les oreilles, c'est plutôt froid aux oreilles. Et vous voyez la nuit, ce que je faisais, c'est que je le mettais comme ça. La nuit, dans mon sac de couchage, je dormais comme ça. Comme ça me protégeait à la fois le cou, à la fois les oreilles et à la fois le front. Combiné à ça. Alors, on ne se moque pas de la couleur, hein, j'ai pas choisi avec ça. C'est un masque. En fait, c'est les fameux masques pour dormir quand il fait jour. Moi, je m'en sers quand je campe, au cas où je suis dans un endroit où il y a une lumière, un lampadaire au-dessus de moi, ou alors un endroit qui serait balayé par des phares de voiture. Je mets ça sous les yeux, et là-dedans, c'est le noir absolu. C'est l'avantage. Il y a n'importe quel flash lumineux qui peut me passer devant, je ne le vois pas. Et en fait, je me suis aperçu que ça chauffait vachement le contour des yeux et le front. Donc en fait, je le mettais pour les nuits les plus froides et ça avait l'effet de me réchauffer le visage aussi. Donc c'est génial ça, vraiment je recommande. Pas nécessairement cette couleur, mais je recommande. Et bien sûr, indispensable, les bouchons d'oreilles pour ne pas être dérangé par les petits bruits de la forêt. Toujours, toujours dormir avec des bouchons d'oreilles. Tant qu'on est dans le confort, on va parler hygiène. Alors ça, je recommande vraiment, il s'agit de lingettes de lavage du corps sans eau. Ça s'achète dans les boutiques de randonnée. À Lyon, on a la boutique qui s'appelle Au Vieux Campeur. D'ailleurs, c'est lyonnais. En fait, ça prend la forme d'un gant. Alors, je déballe pas parce que c'est quand même assez cher. Hein. C'est 1,40 € je crois, là, le gant. Et donc, c'est un gant imprégné d'une solution hydroalcoolique. Et donc, on peut se laver le corps intégralement. Et le gant, c'est très bien puisque ça ne se déchire pas. Pour ceux qui ont déjà utilisé des lingettes, vous savez, c'est tout petit, ça termine rapidement en boule. Là, le gant, là, autour de la main. Et c'est génial parce que ça termine pas en boule et on peut vraiment se frotter. Et franchement, je me suis lavé, j'ai utilisé ça et c'est fantastique. Après, on se sent propre. Même si vous avez transpiré, si vous avez la peau qui colle, vous n'êtes pas bien. Après ça, on se sent propre, vraiment. Comme je vous l'ai dit, les douches, pour moi, c'était plus une histoire de plaisir de faire couler de l'eau sur moi que de vraiment hygiène. Je ne me sentais pas sale après m'être lavé avec ça. Donc, je recommande vraiment. Ça s'appelle du lavage sans eau. Ça, c'est ma trousse de toilette. À nouveau dans un sac hermétique, bien sûr, toujours. À l'intérieur, on trouve brosse à dents pliable. Ça je l'achète dans une pharmacie. La marque, c'est Gum. C'est pas mal les brosses à dents pliables. Parce qu'après, il ne faut pas que les poils de vos brosses à dents touchent n'importe quoi dans le sac. Ça, c'est les petits tubes dentifrice vendus par Carrefour. Les tubes de voyage. En plus, c'est le anti-carie. Donc, très bien compris, quand on est en voyage, on bouffe n'importe quoi. Donc, c'est le dentifrice anti-carie qu'il faut. Et vous voyez, je suis parti 13 jours et il en reste un peu. Donc, je pense que c'est un format 15 jours, ça. Donc, ça se vend par deux, c'est à Carrefour, je recommande vraiment ces tubes dentifrice. Et de la crème hydratante pour se masser le soir après avoir passé toute la journée debout. Bon, ça, c'est chacun son confort. Aussi, dans un sac séparé, mon déo, parce que mon déo il a tendance à fuir. Donc, pour question de poids, c'est pas la peine de prendre un déo neuf pour partir, je vous laisse juger. Moi, je le prends rempli à moitié, j'en prends un qui est déjà usé. Donc ça, c'est quand même un tout petit peu plus léger. Et aussi, le savon. Donc le savon, je crois que c'est Monsieur Flex qui en parle très bien.
Et c'est lui qui m'a convaincu de passer à ça. Donc là, vous voyez, le cercle hermétique prend tout son sens hein, pour isoler quelque chose qui est sale. Et voilà, le savon, vraiment pratique, ça permet de se laver le corps, aussi les cheveux, aussi la vaisselle, ça permet de laver tout après en fait. Et c'est petit, compact et pas très lourd, donc je recommande le savon, vraiment. Et enfin, la trousse de pharmacie. Donc là, chacun juge ce dont il a besoin. Moi, j'ai de l'alcool à 90 dans un format échantillon. J'ai de quoi pour les maux de tête. J'ai de quoi pour les piqûres d'insectes. Arnica, très important. Moi, toutes les fois où j'ai chuté, c'était un coup, plus qu'une blessure ouverte. Donc l'arnica. Et puis voilà, après je vous laisse juger tout ce que vous avez besoin pour la trousse à pharmacie. Donc on va passer côté matériel pour la roue. Donc, déjà le nécessaire anti-crevaison, lève, pneu, colle, rustine. La petite pompe qu'on achète à Decathlon, qui est très pratique, hein, parce qu'elle est ultra compacte, toute petite. La jauge, très important, indispensable, la jauge. Et celle-ci, vous voyez, elle se déplie en deux parties comme ça. Et ça fait comme ça. Donc on peut vraiment. Là, on a du volume. Là, on insère du volume. Et quand ça devient difficile de pomper, en fait, on rabat cette partie-là. On la verrouille comme ça. Et là, on a de la force pour injecter les derniers barres de pression. Et vous l'avez vu dans ma vidéo où j'ai crevé, que j'ai entièrement regonflé ma roue avec ça. Bon, après, c'est difficile. Hein, il faut pomper. Mais voilà, ça a le mérite d'être léger et pas encombrant. Ça, c'est la housse étanche pour téléphone. Quand il se met à pleuvoir, je sors mon téléphone de sa housse, je le fous là-dedans. Puis l'avantage, c'est que ça se porte autour du cou. Donc c'est même encore plus pratique que de l'avoir dans la poche. Quand il pleut, voilà, je lis mon téléphone comme ça. Ensuite, c'est un peu de papier. Donc la seule chose que j'ai imprimée pour ce road trip, c'est en fait la carte SNCF. Sur internet, j'ai trouvé la carte du réseau national. Donc là, au stabilo, c'est mon parcours que j'ai tracé. Par-dessus, la carte SNCF. Donc en fait, à tout moment, en cas de problème, je pouvais voir où était la gare la plus proche. Parce que des problèmes, qui peuvent m'obliger à sauter une étape ou directement rentrer à la maison en train, ça peut être un problème électrique, un problème mécanique, un problème de santé, un problème de météo. Donc ça, c'est ma roue de secours, vraiment là. Le train, c'est ma roue de secours. Donc après, il y a eu quelques portions de trip où j'avais pas de train. Ici, notamment. Ici, c'est une ligne de fret. J'avais pas de ligne voyageur, là. Donc voilà, je savais que dans ces portions-là, j'étais laissé à moi-même. Après, il faut voir avec les covoiturages, avec Uber, avec les lignes de bus. Mais voilà, le train, c'est comme la solution de facilité. Après, il y a certaines villes qui ont des gares quand même. Il faut savoir que toutes les gares ne sont pas desservies. Et il y en a pas mal. Et là-dessus, c'est intéressant parce qu'il nous indique en gris italique les gares qui ne sont pas desservies. Donc c'est pas parce que vous voyez fléché gare ou que vous voyez rue de la gare sur votre plan qu'il y a forcément le train qui va y passer. Ah oui. Important. Ça, c'est une salade. Ça, c'est une salade non conservation qui est toujours au fond de mon sac. Parce que des fois, le soleil se couche, il commence à faire nuit, il faut planter la tente et zut, j'ai pas trouvé de restaurant. Donc je sais que au moins j'ai cette salade à manger. Ça pèse 250 grammes, donc c'est suffisant pour faire un repas. C'est pas mauvais, hein. Et c'est étanche, c'est compact, ça n'explose pas au fond du sac. Donc ça c'est très bien à garder en secours au fond du sac. Voilà, c'est tout. S'il y a encore cette poche-là, dans laquelle j'ai une clé qui sert à démonter les pédales, parce que ça permet d'avoir un meilleur accès aux pneus en cas de crevaison. Un stylo qui est inutile notamment pour repérer les trous quand on crève, mais aussi pour prendre des notes, voilà, si vous avez besoin de prendre des notes durant votre trajet. Et dans cette poche, j'avais aussi du rab de sac hermétique, parce que ça peut être réutilisable, c'est quand même éphémère ces petits sacs, souvent ils se déchirent. Donc, je les ai utilisés, la preuve, il n'y en a plus, j'en ai eu besoin. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais dans mon sac. Allez, salut les wheelers!